ramener le Caracara 4-4. Bah, t'as quand même avancé un petit peu par rapport à quand tu me l'avais fait test, non? Non, ça c'est la dernière chose que t'avais vu. C'est le 16, là. Je suis en train de réfléchir si je recommence dès le début et je fais autre chose. Oh. Je plaisante. Bien... non, bien sûr, j'ai continué. Oui, oui. Il y a eu bien le début. Eh oui, oui, oui. Le 10, moi, on s'est arrêté là, vraiment, la dernière fois quand j'ai testé tes parcours, mais j'ai testé. T'as testé quoi? T'avais testé les comme. T'étais au 5 toi. Au 5? Donc il y en a 5 nouveaux alors? Non, voilà, ouais, bah il y a 5 nouveaux, oui. Bah, je suis arrêté au 7. Au 7, ça c'était avec la Blackfin. Oui, la coquette. Il y en a un qui a tapé les. Oui. Auto électriques. Hein. Du coup, il y a le parcours 8 avec la Casco. Ouais. Parcours 9 avec les 4x4. What? C'était beau ça, un détour. Et le parcours 10, ce sera à nouveau une map plus pour Chris avec des transferts de... Non, c'est une map pour Bidule, le premier point, il est magnifique. Avec les 15 demi-tours boost, les demi-tours dans les tubes et tout. Pouah, il va s'amuser là-dessus. Mais... Oh. Regarde, il parle plus. Non, je suis concentré sur mon caillou. En mode parcours, ça suffirait. Hein. Je suis tout seul, c'est long. Là, ça fait quoi, 4 minutes? J'ai toujours pas fini. Pas besoin de mettre des tours en vrai. Ah, le 4G, je me souviens. Non. Et après, il faut que tu testes le second tour, non? En vrai, non, mais c'est juste pour voir si j'ai bien placé mes points, si j'ai bien fait mon travail. Ouais, non, mais je veux dire, si tu aurais pas le mode tool. Ah oui. Après, tu dois tester les seconds points encore. Mais encore, ça c'est rien, j'ai créé une race, mec, elle doit faire. Quand tu l'as fait normal avec une custom, elle doit durer 8 minutes. Et il y a des points secondaires. Donc en gros, quand tu dois faire une modification de la race, tu sais que t'as 16 minutes de temps. Ah mince, c'est là-bas. Et imagine aussi ceux qui font des skill tests ou quoi que ce soit. Cédric, comme je t'ai. Comme tu es là maintenant. Les props que tu as mis dans le Discord chez ModTool. Oui. Il y en a combien? Il y en avait 1000 et quelques. Comment je les échange? Parce que j'en ai pris d'un autre qui a mis 77 pour échanger contre les barrières. Parce qu'il y en a 77, ça va. Toujours il triche. Correctement. Je le vois. Avec les tiennes, ouais. Il veut prendre le point par en dessous. Est-ce qu'il faut que je les filtre? Alors, je sais pas si t'as vu sur le fichier, j'ai marqué barrière. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, mais par contre, les barrières, il y en a que... Oui, mais c'est des catégories, en fait. D'accord. Genre, par exemple, barrière, box, c'est une catégorie. Trash container, c'est une catégorie. Dynamique, c'est par exemple la catégorie des éléments dynamiques. Et en fait, alors moi, ce dossier, je l'ai créé avec ZenViews. Et donc, ZenViews, ben, tu peux remplacer les barrières, enfin, la catégorie des barrières, tu peux remplacer la catégorie des éléments dynamiques, tu peux remplacer la catégorie, ainsi de suite. Et en fait, tous ces trucs... Allez. Donc ZenViews, en fait, tu veux par exemple remplacer barrière avec ce fichier, tu vois, et ça m'a remplacé toutes les barrières que j'ai créées dans... Enfin, que j'ai remplacées, tu vois. Et là, en fait, moi, dans ce fichier, il y a les barrières, les box, les trash conteneurs, les dynamiques, les gun running, et j'en ai fait des nouveaux aussi. Il y a les bouées et les arbres. Voilà. Mais maintenant, par contre, avec ModTool, pour les mettre, il faudrait que je les filtre chacun, ou comment je dois les sortir? J'ai jamais essayé avec ModTool. Ah, ok. Ah, bah là, j'ai... Je me sers des deux, moi je me sers des ZenViews et ModTool. C'est vrai que pour les blocs modés, je me sers des deux. Allez, attends, je regarde là de suite. Là maintenant, j'ai utilisé ceux de Kimage. Kimage. Le. Ah, deux, je crois qu'il avait mis. C'est dans où ModTool ce qu'il faut pour les props? Les props, tu vas chez Prop Swap. 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 Voilà, après tu vas sur Restore. Tu le vois là le logiciel là? Mais comment ça? Sur son écran. Mathéo, qui vient de me banger dans le channel? Attends, sur mon écran tu le vois ou pas? Attends, je vois. Tu as fait transmission de ton jeu, pas du écran. Mais comment on fait pour faire? Tu vas sur. Pourquoi il a dit Caracara, non custom? Il y a des passages, waouh!
changer de fenêtre, c'est ça? Si tu l'as en custom, ouais. T'as les pare-chocs et tout, tu passes pas. Et comment on fait pour tout mettre? Alors, écran attends, 1 ou écran 2, c'est... Ouais, quand tu vas sur... Ah ouais, d'accord, en... ok, parfait. En haut, t'as des... Ouais, c'est bon, merci. Hop, normalement, là, tu devrais voir. Voilà, je vois, ouais. Okay. Donc, du coup, tu vas où, toi? Prop swap. La catégorie en haut... Ah oui, là, ouais. Après, tu vas... Et après, tu fais restore. Et tu peux ouvrir le fichier que tu, vous avez que j'ai téléchargé de Discord. Tu peux l'ouvrir. Et du coup, il... mais là, comme tu il y en a trop. Là, voilà, là, il y en a 17. 77, voilà. Pour les barrières. Le premier commence à DF98. Donc là, par exemple, si je suis. Ah ouais, mais en plus, il n'y a pas tous les. What? Faut monter ça? Alors dans les dynamiques, t'en as 63 maximum et là il compte 64. Ah déjà il y en a un truc. Ouais. Mais oui, mais parce que dans notre. Alors attends, je vais te montrer comment je fais. Mais what, voilà. C'est pas possible avec lui. Ouais, mais celui-là j'essaie de l'avoir, mais le truc il est fermé. Ouais, il est bah, il est payant en fait. Oui, mais j'avais pas de problème de le payer. Hein, mais je voulais quand je veux l'acheter, le site il est fermé. Enfin, ah, il faut que tu contactes. Alors attends. Zenvius. Ouais, il faut que tu contactes. Ouais, avant tu pouvais l'acheter via le site, mais maintenant vu que le gars il met plus à jour son logiciel, donc il a, je sais pas, je pense qu'il s'est volontaire de sa part. Merde. Oh. Ouais. Le Discord il est mort. Oh, ce point-là il est pas évident. Oh. Ah, le site ferme non plus. Oh, ouais. Oh, le site ferme, ça passe tout seul. Et tu contactes lui. Ah voilà lui là, Louise il s'appelle. D'accord. Tu le contactes et tu lui demandes que tu voudrais acheter le plus. Non. Mais tu l'as le serveur Xenvius ou pas? Là je l'ai plus maintenant, mais tu peux ouais réinviter. En haut sur Xenvius. Non, là à gauche, Xenvius, non, à gauche. À gauche. La flèche, là, un clic. Inviter des gens. Et puis voilà, pas de invité. Et je reçois le même. Et tu contactes Louise, tu demandes voilà que tu voudrais acheter. Et pour voilà pour la petite info, comment tu fais? Ben tu vas ici, tu fais import. Voilà. Et là tu vois, regarde, tu vois, bon là normalement, attends, on va faire comme si. Comment je sors de là? Eh bien enfin. Import. Bon bref, normalement, attends. Parce que j'ai déjà chargé des éléments. Mais normalement, voilà, quand tu fais props import, ça va t'ouvrir ça. Tu cliques sur le carré ici. Là, tu vas voir, donc il va te demander de charger un fichier. Donc, tu charges le fichier que j'ai partagé, par exemple. Ouais. Et après, tu vois, tu vas ici. Tu vois, ta catégorie all. All, ouais. Tu charges pas all parce que c'est bugué. Et tu charges les catégories. Donc là, barrière. Donc là, tu charges la catégorie barrière. Après, moi, j'ai marqué un sur le fichier. Donc, tu as les bouées. Donc, tu charges la catégorie bouée. Ouais. Charge, voilà, c'est toutes les catégories que j'ai remplacées en fait. Genre traffic barm et tout. Et là il y a même les catégories qui sont modées, tu vois. Genre il y a plus de catégories que dans mode tool, tu vois. C'est pour ça que j'utilise toujours lui. Et pour créer tes fichiers, en fait tu vas. Voilà, tu fais éléments modés, donc tu sors de là et tu vois là, regarde, tu vois ta barrière ici. Et là c'est tous les trucs qu'il y a ici. Tu vois par exemple si je vais cliquer sur barrière, je vais cliquer sur le premier, il va me sortir. Mais mec, ça passe pas. C'est un 4x4, c'est pas une pointe. Ah, tu vois, ça me sort. Je pense que c'est un 4x4. J'ai dû faire une connerie avec moi tout, mais bon, bref. Bref, tu vois, ça te met les identités. Et après, bon, ben, tu remplaces les identités par d'autres. Et si tu veux trouver des jobs modés, ben, tu check un peu sur le Discord. Tu vois, par exemple, j'en avais partagé. Sur quel Discord? Sur celui-là. Regarde, tu vois, j'en avais partagé plein. D'accord. Tu vois, tu prends l'identité, ça là. Son truc, faut aller. Ah, et mais le point il est là. Oh là là, depuis tout à l'heure. Non, je m'emmerde pour rien. Ouais, c'est comme ça que je crée les fichiers. Et après, une fois que tu as fait ça, tu peux les sauvegarder. Tu fais export. Et de près, tu vois, tu crées ton fichier. C'est vraiment tout bête. Hein. Moi, je vais créer des petits fichiers comme ça raccourci. Ah, ouais. Ah. Et voilà, et je m'en sers. Alors, je m'en sers pour quoi? Faire les incrémentations pour monter ou descendre une race. Donc, tu vas dans réglages, tu changes ton incrément. Donc là, par défaut, c'est sur 10 mètres. Tu peux mettre 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres. Enfin, tu peux faire ça. Et oui, pour
Ouais, en général, je varie sur 100 mètres. Tac. Je sélectionne un élément. Et je fais une commande. Alors, on va le voir dans le jeu. Hop oh, la citerne. Oh, puis c'est des citernes rouges, elles sont pas oranges, tu sais. Celle-là, elle a explosé fort, elle m'a déglingué le véhicule. Purée. Là, je fais contrôle mage, plus. Voilà, regarde, ça a monté de 200. Ça a monté à 100, à 203 de hauteur. Ok. Hop. Ah, j'ai des spawns longs maintenant. Ah, super. Voilà, tu vois, là, je suis. Voilà, ça bug, c'est normal, mais la race, elle est montée d'un coup. Bon, le spawn, bah, il était temps. Bon, à part les éléments dynamiques, tu vois, tout ce qui est pas monté, c'est parce que c'est en éléments dynamiques. Tu vois, les barrières, c'est mis en AB, capote, j'ai mis en éléments. D'accord. Allez, pas bon, c'est en tout cas ça, j'ai mis en éléments dynamiques. T'as sauvegardé ou moi, t'as parcours? Oh, non, mais regarde, mais c'est pas grave, t'inquiète, je fais ça, je le remets normal. Pourquoi il mange pas? Là, ce point il va m'énerver. J'ai des spawns de 30 secondes, le truc il tape, il glisse, il monte. Alors fais toujours tester par contre, hein. Fais jamais entrer parce que ça bug. T'as appelé comment? Destruction Derby. Yeah. Oh, le jeu il était magnifique sur oui, les, bien, le 2, le 2 moi. Je... Ouais, le 2 était aussi. Ouais, j'aimais bien ça. C'est bad, ça. Oh oui. Bon, un gosse, hein. Je crois que je l'ai même encore le jeu. J'ai encore parce que j'ai encore une PS, une PlayStation. Moi, j'ai toutes mes consoles. Moi, j'ai ma Nintendo, ma Master System, oh, ma Nintendo 64, ma Super Nintendo. J'ai toutes mes consoles avec tous mes jeux. J'ai jamais rien vendu. Master System de Sega. Ouais, Master System avec les jeux en disquette. Pas facile. Alors, et la seule console que j'ai plus, c'est la Amstrad que j'avais quand j'étais vraiment petit, d'avoir quoi 5-6 ans. Mais mes parents m'avaient pris ça pour faire travailler mes yeux, parce que j'avais des problèmes de vue. Et mon ophtalmo, il avait conseillé à mes parents de foutre devant une console de jeu pour les faire travailler. Oh. Et il m'avait acheté une Amstrad, c'est du genre de disquette, c'est un genre d'ordinateur. Tu sais, tu mets des disquettes et tu lances les jeux, il y a des disquettes. Ouais. Et t'avais un clavier, une manette. Alors, un PC 6128 je dois juste aller un coup à AFK, je reviens. Vas-y. Ouais, le PC, je sais plus, c'est. Plus j'étais gosse. Mais du coup, il avait la trentaine à cette époque. Non, ça date, mais. L'enfoiré. Ah non, j'en ai eu un. Hein. Moi, j'ai eu celui même avant la disquette, c'était avec des cassettes audio. Ouais, c'est ce que j'ai eu, moi. Cassettes audio sur une console. Ouais. Oui, non, c'était un ordinateur. T'avais des. Non, mais il y a eu différents trucs. Hein. Déjà, moi, c'était des disquettes. Je lançais des jeux avec des disquettes. Il y a eu des cassettes audio. Et t'avais aussi des jeux que tu lançais en les programmant. C'est-à-dire que tu devais taper des lignes de code pour lancer le jeu. J'en ai tapé quelques lignes de code, moi. Non. À l'époque, les jeux vidéo, c'était pas comme aujourd'hui. C'était du basique. C'est de la merde. Non. Ah mais j'ai galéré un truc tout con. Ah bah franchement il est chaud ce mec. Ah le, non je galère partout. Les passes. Bon du coup là j'ai fini. Pas facile du tout. Attends, mais j'ai placé le petit secondaire du cadre. Sur le toit là, mais. Oh non! Non! Mais bonjour! Oh purée, oh j'en ai marre de celui-là. Oh. Putain, ouais, je sais pas. Des toits comme ça m'énerve. Là encore là. Ça, c'est lequel? Mais c'est tout le temps des trucs sur les toits, les 16. Ah ouais, non, mais c'est le 4. Je tombe devant le point, quoi, après là l'entraînement. Ah oui, 80. Autant le gros c'est dur, c'est vrai, pas mal. Oh là. Non, allez. Non, mais je tombe devant le point aussi. Là. Allez, 4 roues motrices, allez. Sur les toits inclinés là, t'es des tours. Ah ouais, où t'es là? Je suis tombé 4 fois devant le point. Je
sais, là... Ah, mais toi, Bidule, que tu tombes 4 fois devant le point, c'est normal. Ouais, là, c'est le retour. Non, mais là, comment... Comment veux-tu que j'aille sur son toit, là-bas? Comment veux-tu que je t'encule? Arrête, il y a le fils à Balthazar. Hein. Hop, oh, ça, sans déconner. Bah oui. Sérieux, il nous entend et tout? Bah oui. Ah merde, pardon. C'est pour ça que je fais attention depuis tout à l'heure, je dis pas trop de conneries. Bah non, je l'ai envoyé dehors parce qu'il a commencé à parler, mais... C'est vrai qu'il est plus sur le serveur. Ah bah, je suis désolé, je savais pas, c'était moi de... Depuis tout à l'heure, je fais attention. Je dis pas trop de conneries pour... Mais par contre, celui qui a dit ça, moi je veux bien, au cas où. Hein. Je me dis, oulala... Bon, tu vas monter, petit 4x4, là. Putain, elle est bizarre, la loupe. Mais... C'est quoi ce délire, là? Oh, son parcours, il commence à me... sérieusement, là. Là, ah c'est, ouais. C'est j'allais dire encore un autre truc, à me titiller le... Ouais, le truc. Ah mais là je suis devant le point, je le vois, ah bah enfin 4x4 il voulait pas passer un tuyau là, les tuyaux en béton. Non mais sérieux quoi. Non mais allô quoi. Non mais il est chiant celui-là, celui d'avant il était un peu plus chiant, mais là celui-là c'est pire. Par contre c'est la première fois que je crée une race où il me reste 45 éléments à placer et parce que 17 éléments dynamiques à placer. Allez. Je fais 155. Oh j'en ai marre. Ça c'est fou. Quoi que ouais, je replace ça, là, les... Il y a un PNJ qui crie. Ça vous voulez écraser? Non, même pas. J'ai sauté d'un toit à l'autre. Il y a Trevor, il est pas loin. Sérieux, je passe de l'autre côté. J'ai ça passe. Pas, là, ça passe pas. Terrible. Terrible des illusions. Putain, je crois. Ah ouais, des fois, il faudrait avoir le custom. Non. Hop. Ah non, c'est vrai qu'il passerait pas avec tous les parcours des machins. Ah mais les... Oh je pense que je vais faire une nouvelle session, moi celui-là commence vraiment à me gonfler sévère. Sévère ou sévère? Ah non mais là c'est... Sévère. Je commence à en avoir marre. C'est rouge ou pas là? C'est rouge ou c'est à petite dose ça va, mais quand t'enchaînes tous ces parcours à la suite... Mais alors du coup c'est vert ou c'est rouge? Là ils sont chiants. C'est le dernier à peine la pluie. Oh purée, fallait rentrer dans le parking, je me suis fait avoir... Ah, oh non, j'étais passé. Oh là là, j'en ai marre. Vas-y, valide le point. Ah, non. Tombé le point, en bas. Oh putain, faut que je recommence. Mais mets une flèche. Je sais pas moi, déjà que le point est chiant, mais une putain de flèche. Il va monter ça lui? Bah non, voilà. Ah moi j'en ai marre, franchement là c'est... Ah non là franchement... C'est pas compliqué, c'est juste des trucs chiants, et puis en caracara... Le pire c'est que t'arrives devant le point, tu tombes devant le point, et ouais. Des flèches indique la route, je sais pas. Mais... Y'a le mile chez vous dans le parcours? Oui. Ah, c'est ça qui joue alors. Oh ouais, avec nous, ouais. Okay, 18 minutes, j'ai même pas la moitié des points. C'est bon. On va mettre une heure à faire ce parcours. Non, j'ai sauvegardé tout à l'heure, ouais. J'ai fait une connerie. C'est moi ou on peut pas grimper là? Y aller, hein. Oh ce passage c'est du grand n'importe quoi. Rouler en caracara sur des carcasses de voitures. Mais t'as vu ça où toi? T'as vu la taille du caracara? N'importe quoi. Voilà, t'aurais mis une flèche là, j'aurais eu le point. Espèce d'enfoiré va.
avoir le point. Il là, va être sur une flèche dans le parking qui dit d'aller en haut. Bah non, non, je suis mongol, je vais tourner en rond dans le parking. Non, mais mets des flèches au bon endroit. Au lieu de mettre des flèches inutiles. Moins 10, putain, il a 36. Ah oui, je suis à peine au 17, moi. Et ouais, c'est pas facile ce machin. Vraiment pas. Ça va exploser ça. Ouais, puis tu vas avoir des spawns de 30 secondes comme je l'ai eu. Parce qu'il y a deux citernes l'une à côté de l'autre. Ouais, elle est rouge là. Les oranges elles explosent normal, les rouges elles sont hautement explosées. C'est l'impression que j'ai eu. Alors c'est peut-être parce qu'il y en a deux l'une à côté de l'autre, c'est peut-être ça aussi, tu me diras. T'es en liste là ou c'est juste un parcours comme ça que t'as lancé? C'est une liste à détour. Il en reste combien? Il en reste 50. Non, je sais plus, on peut pas savoir, mais je crois que c'est la moitié de la liste. Et là vous êtes à combien? On peut pas le savoir, on est dans un parcours mais je crois que c'est la moitié de la liste. Il en reste. Du coup Chris, vous êtes à combien là? Il reste. On est à 4. Il est 4. Ah vous êtes à combien de joueurs? Ah j'avais pas compris. Non mais moi je parle du nombre de parcours. Non moi je parle des points. Ah moi je parle du pourcent de ta batterie. Pourcent de la batterie. Oh. Vous êtes fatigant là hein. C'est qui qu'on va plus ouvrir prendre ce soir? Non! Oh, je l'ai pas vu le trou dans le tuyau. Ouais. C'est sur toi, on y va comment là? Après, il y a des passages, ça va. Hein, parce que j'étais au point 17 il y a 20 secondes, je suis au point 28. Oh! Bah oui. Pourquoi pas? À quoi d'autre ça servirait? Bah voilà. Pourquoi? Ah ouais, j'ai des murs, on sait comment pour passer, mais il y a un banc. Bah ouais, le bidule. Mais non, le banc c'est si t'en as marre, tu sors, tu fais une pause, tu t'assois. Ah là 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 là. Toujours à apprendre. Je te jure. Ça me ouvre. T'as une outre. Je regarde pas, je suis avec comme... Ah putain, reviens. Oh, ça j'ai eu ce genre de machin, ça c'est un peu chiant à passer. Allez là, 4 motrices. Ah là 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 là. On est où après? Ah sur tout, d'accord. À tut, derrière la butte. Ouais voilà. Une tour. Yeah. Oh non non non. Su. Non non. Oh, il y a des passages, c'est bien, mais d'autres sont moins bien. Voilà. Ah ouais. Voilà. J'avoue. Oh, comment ça j'ai passé d'élan, j'étais à fond. Non. Ah. Mais non, mais... Oh, c'est limite. Oh. Yo, il voit pas le machin. Ah mais moi je suis bien. Mais même là. Mais non. Mais si. Ah oh, c'est mal fait. C'est mal réglé les boosts là. On n'a pas assez de vitesse. C'est n'importe quoi ça. Alors là si ça passe pas. Mais non. On va pas t'écouler. Mec. Même comme ça, ça passe pas. C'est quoi ça? Je peux pas... Oh,
le prenne d'où mon élan. Voilà. Ouais, bah enfin. Ah ouais, mais c'est pas suffisant du coup alors. Allez, relâche toi. Ah bah dis pas ça hein, parce que on relâche, on relâche. On relâche tout. Passage. Ah ouais, ça fait un sacré gros. Oh putain. Et là il faut... Eh oh, pas un freak roller. On va monter ça. Ah ouais, il monte. Y a pas un seul parcours, c'est qu'il n'y a pas de toit quoi. Alors, quitte à se répéter, la série de ces 16 parcours, c'est que des trucs sur les toits. Ah oui, non mais c'est ça que je dis. Sans déconner. Sans déconner. Non. Ouais. Bon, on passe là. Ouais. Ah mais oui, mais... Hein, et tu vas pas bloquer devant le point, il y a le tuyau là qui me fait chier. Je l'ai eu. Allez, arrête, ouais. Mais je comprends pas là ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas de vitesse et... Je comprends pas. Oh, encore un point qui va être bien relou, je sens. Ah, moi, j'ai supprimé un point comme débilos. Ouais, le point il est en haut. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Ah ouais. Ouais, mais oh. Faut se calmer. Mais dites. Mais dites donc. Ah ouais, on traverse la rue sur des bus. Ouais, pourquoi pas. Ah bah, c'est ce point-là qui m'a fait gueuler. Les voitures là, putain, accroche-toi les voitures. Les voitures, ah ouais. Il fait des trucs bizarres sur la voiture, en descendant déjà. Tu crois? Ah putain, celles-là sont à l'envers. Attends les deux autres. La première voiture, c'est rien, c'est pas un problème. Attends les deux autres. Oh là 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 là, il s'est bloqué. Mais c'est incroyable. Il rebondit dessus. Ouais, le spawn. Ouais. Je suis à moitié dans le bâtiment, à moitié dehors. Ouais, magnifique. Magnifique. Bah je peux pas finir, je suis glitché. C'est beau. Oh là. Putain, se faire chier une demi-heure pour finir glitché dans le bâtiment. Sérieusement. Ah bah enfin. 4 respawn pour respawn correctement. Non, non. Pourquoi, il t'a énervé le truc? Attends, on vient juste d'y arriver. Oui, non mais je comprends pourquoi. Merde, je vais faire un truc. Tu vas passer vite. Ça, mais je suis pas dans le bon sens. Non. Ouais, je suis obligé de m'arrêter. Putain, je vois rien avec ma caméra, il y a plein de trafic. Le train passe dans un wagon. On peut sauter à droite. Oh non, 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 non. Bon, logiquement, on est fini. Logiquement. Bah, c'est respawn. Et deux. Ah oui. Oh oui, oui, oui. Le bus, le bus, le bus. C'est bon. Après.
Après, j'ai pas le goût de la. Mais il est sérieux, là. Ouais, mais ça freine pas, hein. Ah, il faut rentrer là-dedans. Oui, voilà. Sans garantie. Et... Oh, le pont est dans le garage. Je sais pas comment il a fait. Bah, il l'a mis dans le garage. Ouais. En plein milieu. Oh, il dégage ce pont. Oh, non. Il débug. Non. Hop. Oh. J'en ai tellement marre que je fais de la merde. Sérieusement. Putain. Devant le point. Dernier truc. Sur le point. Allez, freine. C'est jusqu'à là-bas. Il va jamais le faire. Et... Craquer du slip. Pourquoi il disparaît le point. Ah bah, ça va. Ça y va. Oh, c'est Bidule qui est deuxième. Pas. Oh bah attends. Oh, t'as dû te téléporter, on te connaît. Même pas. Je suis sûr qu'il y a Dark qui est là pour me surveiller. Oh bah lui c'est le pire. Je suis là, hein, tu sais, au cas où. Là j'étais. J'avais Will Smith au bord du tunnel. Ah. T'as été faire nager le négro. Il a coulé le pauvre. Il a le chocolat au bord des lèvres. Il a foutu la claque aux chiottes. La claque aux chiottes. Ah mais non, on est en forme, chérie. Ah mais on peut faire ça en vrai. Hein? Ah quoi que non, c'est pas une bonne idée. Ah non, attends. Qu'est-ce qu'il fait sur les. Oh bah non. Pour rien pour avoir le point. Ensuite. Ok, je vois un truc là. Voilà. Oui, non. Ok. Allez, c'est sur le point. Ok. Allez, sors de là. Allez, droit, parce que toute la ligne droite, c'est pas son fort. Hein? T'as des portes en face de toi. Eh, tu joues jamais à GTA. À ta gauche, les portes à ta gauche. Les toits devant, ça va s'ouvrir. Ah oui. Fini. Le point est en dessous. T'as une flèche de 3 km à ta droite. Ah bah oui. Oh, on va sous terre, qu'est-ce qu'on va faire. Il est aveugle, c'est incroyable. Bah, Editor, il est où? Pardon. Oh, le glitcher! Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, il a eu le point comme ça, quoi. Alors que moi, je suis tombé deux fois sur ce tuyau, hein. Ah, juste avant le point là. Quel tricheur. T'as vu hein.